Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Ah, distrait. Réveillon. Il pourrait y avoir des fidèles gobelins à l'intérieur. Pas de traces de Lodgok ici. Il doit déjà être à l'intérieur. Lodgok. Réveillon. Quelque chose lâche. C'est encore brouille de fidèles de Ranrock. Je ne m'arrêterai pas à vous. Le chariot va m'emmener plus profondément dans la mine. C'est comme à Gringotts, mais c'est moi qui conduis cette fois. Quelque chose cloche. Où est-ce que ça va me mener ? Ranrock sera content de voir qu'on a bien avancé. Qui était sur ce chariot ? J'arrive probablement au bout. Réveillon. Confringo. Rebellion.
Revelio. Wingardium Leviosa. Leviosa. Rebellion. Allô, Mora. Rebellion. Thank you.
Revelio. Comprendo. Revelio. Revelio. Expelliarmus. Action. Une scène de vie ne pourra pas vous donner la vie. J'espère que je trouverai Ramon avant le coq. Revelio. Une autre foreuse est terminée. Le monde des sorciers va s'effondrer.
Je peux sauver tout le monde. Je dois détruire la foreuse et arrêter les fidèles de Ranrok. J'ai l'impression de faire ça depuis des heures. Préparons. Je dois trouver un moyen d'arrêter cette foreuse. Tu es venu t'excuser, petit frère? Je suis venu arrêter ça. Qu'est-ce que tu m'apportes? C'est impossible. Tout ce temps... Tu savais où il était. Non. Est-ce que ça va? Je ne te comprendrai jamais, Lodgok. Tu es crédule. Cette sorcière ne te voyait pas comme son égale. Et comme tous les sorciers, elle voulait te manipuler. Tu te trompes, Ranrok. Les jeunes sont particulièrement fourbes. On leur apprend à masquer leur mépris pour nous exploiter. J'ai peine à croire que nos ancêtres se soient fait confiance. Tout ce temps,
ce temps perdu à chercher le dernier dépôt. À chercher en vain le dernier journal de Brackport. J'ai perdu mon temps à traquer cette vermine. Alors que mon petit frère savait où elle était depuis le début. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai besoin d'aucun de vous. Je voulais vous l'apporter. Tu as trahi ton espèce! Non! Avada Kedavra! Lodgok, mort de la main de son frère. Je comprends pourquoi il a essayé de lui faire entendre raison. Revelio. Il ne me reste plus qu'à quitter cet endroit maudit. Je vais demander à Fick de me retrouver dans la salle de la carte. Les gardiens et lui doivent être prévenus que Ranrok possède ce journal et qu'il sait où se trouve le dernier dépôt. Ah, oh, je rêve d'un bon Ranrok. J'ai vendu des bébés nucléaires. J'espère que le professeur Fig a eu mon hibou. Je dois lui dire ainsi qu'au gardien que Ranrok sait où se trouve le dernier dépôt. Si j'en crois le hibou que j'ai reçu, Ranrok progresse plus rapidement que nous ne l'avions imaginé. C'est en effet une bien grave nouvelle. Nous espérions avoir plus de temps pour discuter de la meilleure voie à suivre. Écoutons ce que l'élève a à dire. Professeur,
Vous avez reçu mon hibou. Ranrok est en possession des derniers journaux de Bragbor. Il a tué Lodgok pour les obtenir. Il sait où se trouve le dernier dépôt. Par la barbe de Godric. Lodgok... Lodgok et Ranrok étaient frères. Lodgok était en chemin pour m'apporter le journal. Ranrok est un monstre. Nous devons absolument trouver le dernier dépôt. Ça change tout. Ranrok est en possession des journaux de Bragbor et sait où se trouve le dernier dépôt. Nous avons oublié Bragbor. Il tenait des journaux? Pourquoi aurait-il documenté tout cela? Il n'avait aucune idée de ce que nous essayions de contenir. Isidora a parlé à Bragbor de la magie lorsqu'elle lui a demandé de fabriquer un réceptacle. J'ai vu ses souvenirs. Isidora a laissé des souvenirs? Vous savez ce qu'elle a fait? Dans ses souvenirs, j'ai vu ce qu'elle avait fait pour son père, comme dans la pancine du professeur Rockwood. J'ai également vu l'une de ses conversations avec Bragbor. Elle se disait frustrée des limites imposées à son utilisation de la magie ancienne. Au vu des souvenirs qu'elle a vus, je pense que cette jeune personne est tout à fait au courant du problème que nous rencontrons. La prochaine épreuve nécessite un talent exceptionnel pour la magie et une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Trouvez un visage de pierre et de vrille. Je me dois de préciser que vous devrez gérer par vous-même toute créature faisant partie de cette épreuve. Le professeur Bakar vous rejoindra là où est sa poncine. Un talent exceptionnel pour la magie. Une capacité à interagir avec les créatures avec tact. Je suppose que nous devrions commencer à rechercher un visage de pierre et de vrille, quoi que ce puisse être. Très bien. Le professeur Weasley me surveille. Nous devrions peut-être nous rejoindre là-bas pour éviter qu'elle n'avertisse le professeur Black. Nous nous reverrons sur la côte. Là-bas, vous pourrez peut-être m'en dire plus au sujet des souvenirs d'Isidora que vous avez vus. Qu'est-ce que vous mijotez ? C'est pas là où je vais aller. Je descends, ça marche pas non plus. En route pour de nouvelles aventures.
Revelio. J'avais la clé. La plume d'acceptation et le livre d'admission ont été placés ici par le fondateur de l'école. Les noms n'ont pas été déplacés depuis. Ils font apparaître le nom de tous les élèves potentiels de Poudlard des moments où leur capacité magique se manifeste. La plume est plus tolérante que le livre, qui peut parfois se fermer brusquement avant qu'un nom se soit écrit, si les preuves magiques ne sont pas suffisamment évidentes. Revelio. Sûrement les trolls. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Revelio. Anne se fait du souci. Sébastien lui a promis que je serais là si elle allait le rejoindre dans les catacombes. Mais il lui demande maintenant de le rejoindre immédiatement et de venir seul. Elle dit qu'il n'a pas l'air d'être lui-même. Rejoins-nous dans les catacombes dès que possible. J'espère que mon message est clair. Revelio. Entrez, entrez! Ne soyez pas timide! Revenez quand vous voulez! Excusez-moi. Revelio.
Revelio. Si vos pieds sentent mauvais, débrouillez-vous. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Impossible de savoir ce qui se tapit là-dedans. Sébastien est allé trop loin. Tu as vu ce qui se trouve dans les catacombes. Je ne peux pas rester ici. Attends, Anne, s'il te plaît. Hominis, il était prêt à mettre tout le hameau en danger, y compris lui-même, dans l'espoir qu'une vieille relique puisse me guérir. Je suis désolée, Hominis. Assure-toi qu'il va bien, s'il te plaît. Je suis content de te voir. J'ai reçu ton hibou. Où est Sébastien ? À l'intérieur des catacombes. J'ai été surpris de voir que tu n'étais pas avec lui. Hominis, je... Arrête ! Tu as promis que tu ne laisserais pas Sébastien aller plus loin. Et pourtant, voilà où nous en sommes. Impossible de lui faire entendre raison. J'aurais dû l'arrêter avant d'en arriver là. Maintenant, il est vraiment en danger. Je vais retourner dans les catacombes pour le trouver. Anne a raison. Lui et le hameau tout entier courent un terrible danger. Cet endroit grouille d'Inferi. Des Inferi ? De quoi tu parles ? Tu verras. Nous devons faire vite. Sébastien n'est sûrement pas dans son état normal. La dernière fois qu'on est venu, cet endroit grouillait d'araignées. On va devoir affronter bien pire. Il faut trouver Sébastien, et vite! Action! Revelio. Où était Sébastien quand Anne et toi l'avaient trouvé ? Dans la grande salle. Wingard, où est-ce que ça ?
Revelio. Revelio. Il n'y avait pas autre chose. Il n'y a aucun signe de Sébastien. Je m'inquiétais tellement pour Sébastien que je n'ai pas compris. Anne est allée chercher Solomon. Quand elle a vu les Inferi, elle a pensé que Sébastien était attaqué. Mais il lui a montré la relique et lui a dit qu'il avait appris à s'en servir. Ces gravures sur la relique, c'était des Inferi? Et Sébastien les a créées? Pas exactement. Il les contrôle. C'est de la magie noire puissante. Il est extrêmement difficile de créer des Inferi, mais pour les contrôler... Quand Anne et moi barricadions les Inferi pour les empêcher de s'enfuir, Sébastien marmonnait qu'il devait soigner Anne. Quand Anne lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Solomon a menacé d'aller voir le directeur s'il apprenait que Sébastien faisait de la magie noire. Je dois aller à Poudlard. Il faut que je parle au professeur Black avant. J'arrangerai les faits pour qu'il pense qu'il s'agit d'une querelle de famille. Je reviendrai dès que possible. Toi, essaie de raisonner Sébastien. Fais attention. Revelio. Action. Stipendio. Wingardium le stipendio. Confringo. Revelio.
Confringo. Action. Confringo. On a déjà été là, ça donne rien. Combien d'inférieurs? Confringo. Ces Inferi semblent avoir échappé. Ah, voilà Sébastien. N'est-ce pas incroyable? Sébastien... Je te l'avais dit, la relique est la solution. J'essaie de conjurer la magie noire qui a blessé Anne depuis longtemps. Mais ça me permettrait de la contrôler. Tout comme je contrôle les Inferi. Contrôler les Inferi? J'ai dû en affronter plein. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux? Action relique! Non! La relique! Ça, tu vas me le payer! Je vais mettre un terme à tout cela. Les vieux sont... Allez, c'est...
Choix. Oh, Anne. Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je dois sortir d'ici. Je ne peux pas le laisser partir. Sébastien, attends!
Revelio. Arrête, Sébastien. Attends. Qu'y a-t-il ? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Je t'ai appelé. Anne ne survivra pas. Elle dépérit physiquement et mentalement. Solomon n'a jamais été là pour nous. Pas vraiment. Il a renoncé à sauver Anne. Mais pas moi. Tu l'as vu, n'est-ce pas ? Il allait ruiner sa vie. Il nous a attaqués. J'étais obligé d'utiliser le sortilège de mort. Tu le sais ? Si je n'avais pas su comment le lancer. Tu es allé trop loin, Sébastien. Je n'arrive plus à réfléchir. Je dois partir. Je ne peux pas rester ici. Je dois trouver Hominis. Sébastien, Je ne suis pas moi-même en ce moment. Retrouvons-nous plus tard, à la crypte, d'accord ? Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Hogwarts Legacy Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!